peuvent pas tenir leur position sous ce genre d'assaut. Terry a 10 000 hommes qui encerclent ce foutu port. Pourquoi ne répond-il pas à mes cartes? Archer est une gigantesque forteresse. C'est le Edouard. Plus grand fort qu'ils ont, deux gros canons de défense côtière sur chaque rempart. Ils l'ont depuis ces deux dernières années. Ils ont pris 17 000 obus depuis hier. Il a dit qu'il était que le fort Fisher est à nous et que Wilmington est tombé. Envoyez encore un de ces foutus câbles. Le problème, c'est leur commandant, Whiting. Il a conçu cette forteresse lui-même. Cette saloperie, c'est son bébé. Il la défendra jusqu'au dernier homme. Il ne pense pas rationnellement. Sors de là, sale vieura. C'est ce que Ethan Allen a crié au commandant du fort Ticonderoga en 1776. Sors de là, sale vieux rat! Ah, bien sûr, il n'y avait qu'une quarantaine de British à Ticonderoga, mais... Mais il y a une histoire d'Ethan Allen pour laquelle j'ai un vrai penchant. Non, vous allez raconter une histoire. Je ne pense pas que je supporterai d'écouter encore une de vos histoires maintenant. J'ai besoin des horaires de la ligne PEO pour Alexandria. Je les ai demandés ce matin. C'était juste après la Révolution, juste après que la paix ait été signée. Et Ethan Allen est allé à Londres pour aider notre nouveau pays à régler ses affaires avec le roi. Les Anglais se moquaient de notre côté fruste et grossier et simple d'esprit, ainsi de suite, partout où il allait, jusqu'au jour où il fut invité à la résidence d'un grand lord anglais. Le dîner fut servi, les boissons absorbées, le temps passa, comme toujours, et M. Allen éprouva le besoin d'aller au petit coin. Il fut reconnaissant qu'on le dirige vers le lieu. Soulagé, on peut dire. Et là, Monsieur Allen découvrit, en entrant dans les water closets, que la seule décoration de l'endroit était un portrait de George Washington. Ethan Allen fit ce qu'il était venu faire et retourna dans le grand salon. Son hôte et les autres furent un peu déçus qu'il ne parle pas de ce portrait de Washington, et finalement, sa seigneurie ne put résister et demanda si M. Allen avait remarqué le portrait de Washington. Il dit oui. Eh bien, qu'avait-il pensé de son emplacement? Avait-il semblé convenable à M. Allen de le voir accroché là? M. Allen dit que oui. Son hôte fut très étonné. Une place convenable? George Washington trônant dans les water closets? Oui, dit M. Allen, un endroit où il rend service. Le monde entier sait que rien ne peut faire chier plus vite un Anglais que la vue de George Washington. J'adore cette histoire.